Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au potager qui dit non, avec cette fois une vidéo consacrée au jardin d'ornement, en particulier à la plantation de haies et au calcul d'arbustes ou de plantes de haies dont vous aurez besoin pour réaliser votre aménagement. Premier exemple, le cas d'une haie qui n'est pas plantée aux extrémités, parce qu'il peut y avoir des poteaux, une construction, quelque chose qui vous empêche de planter aux extrémités. Alors, dans notre exemple, nous avons pris une longueur de 3,20 m, un espacement entre les arbustes de 80 cm. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est diviser cette longueur de 3,20 m par l'espacement souhaité entre les arbustes. De cette manière, on obtient le nombre d'intervalles. Et dans le cas d'une haie non plantée aux extrémités, eh bien, on va avoir un nombre d'arbustes inférieur d'une unité au nombre d'intervalles. Quatre intervalles dans notre cas précis, donc trois arbustes. Dans le cas d'une haie plantée à une seule extrémité, on va procéder exactement de la même manière, donc toujours notre longueur de 3,20 m, toujours notre espacement de 80 cm entre les arbustes, avec un arbuste situé donc à une de ses extrémités. On va donc compter là encore le nombre d'intervalles, qui est toujours de 4 puisque la longueur est la même, et on va obtenir un nombre d'arbustes égal au nombre d'intervalles. Ici 4 intervalles, donc 4 arbustes. Dans le cas d'une haie maintenant plantée à chaque extrémité, alors je reprends ma longueur de 3,20 m, je redispose mes arbustes tous les 80 cm, cette fois donc avec un arbuste à chaque extrémité. Le nombre d'intervalles est toujours le même, 1, 2, 3, 4. 4 intervalles et cette fois 5 arbustes. Donc pour résumer, dans le cas où votre haie n'est pas plantée aux extrémités, vous obtenez le nombre d'intervalles en divisant la longueur totale par l'espacement entre les arbustes. Et vous retirez donc une unité, un arbuste, à ce nombre d'intervalles que vous obtenez. Dans le cas où la haie est plantée à une extrémité, le nombre d'intervalles sera égal au nombre d'arbustes. Et enfin, dans le cas où la haie est plantée à chaque extrémité, vous ajouterez un arbuste au nombre d'intervalles que vous allez obtenir. Intéressons-nous maintenant à un cas pratique. Voici un terrain donc qui entoure une maison. Il faudra venir planter une haie, variée de préférence, autour de ce terrain. L'espacement entre les arbustes sera cette fois encore de 80 cm. Comme la loi le précise, les arbustes seront plantés à 50 cm de la mitoyenneté, et ces arbustes seront également plantés à 50 cm de notre allée, figurée ici en orange. Alors, si vous le souhaitez, je vous propose de mettre la vidéo en pause, de vous livrer à votre calcul, puis de reprendre pour vérifier si le compte est bon. Le calcul est simple, nous allons obtenir là encore la longueur réellement plantée sur chacun des côtés de notre terrain. Ici, la longueur AB mesure 8 mètres. Je retire deux fois 50 cm aux deux extrémités, j'obtiens donc 7 mètres. Je fais la même chose pour le côté BC, 25 mètres, moins mes deux retraits de 50 cm, ça me donne donc 24 mètres. Le côté CD fait la même longueur, 25 mètres moins mes deux fois 50 cm, j'obtiens 24 mètres. Le côté DE fait toujours 25 mètres moins 2 fois 50 cm, donc 24 mètres au total. La longueur EF mesure 14 mètres moins mes 2 fois 50 cm, j'obtiens donc 13 mètres. Si j'ajoute tout ça, j'ai donc un linéaire de 92 mètres. La haie, dans notre cas, est plantée à chaque extrémité. 92 mètres divisé par 80 cm, c'est-à-dire la distance qui sépare mes arbustes, j'obtiens 115 intervalles. Il me faudra donc 116 arbustes. Vous disposez désormais de la méthode très facile pour calculer efficacement le nombre d'arbustes dont vous aurez besoin pour planter votre haie. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.